Bonjour, je m'appelle Lucas Jalbert, je suis un passionné artistique multidisciplinaire. Du plus longtemps que je peux me rappeler, j'étais tout jeune et je chantais déjà dans la cour en arrière chez moi, les voisins m'entendaient, je me costumais aussi, j'étais enfant unique, donc je m'imaginais déjà mes scénarios, je courais d'un bord déguisé d'une façon, je recourais de l'autre. Je créais mes propres personnages en partant mes scénarios. Un bel après-midi d'été, ma mère est arrivée, j'avais environ 6-7 ans, elle est arrivée avec une revue de bande dessinée de Donald Duck. Puis c'est là que j'ai découvert le monde du 9e art, de la bande dessinée, et ce qui m'a attiré immédiatement là-dedans, c'est les expressions des personnages. J'ai toujours aimé dessiner et je me contentais pas juste de lire de la BD, mais je m'amusais aussi à redessiner des personnages, des histoires de personnages déjà connus. Un jour, je me suis dit, bon, ben pourquoi tout le temps redessiner des personnages qui existent déjà quand je pourrais avoir mes propres bonhommes? C'est à ce moment-là qu'à l'âge de 9 ans, j'ai créé ma première bande dessinée. Et c'est à l'âge de 14 ans environ que j'ai fondé ma maison d'édition, Cabro Productions, et c'est à ce moment-là que j'ai pu publier mes propres bandes dessinées. La première BD que j'ai éditée, c'est celle que j'avais faite à 9 ans, donc Les aventures de Funky Punk. Ensuite, une autre que j'avais fait à 11 ans, donc Funky Punk contre Fantomix. Plus tard, j'ai publié Opération Serpent de mer, que j'avais fait à 14 ans. Et enfin, ma quatrième bande dessinée qui est parue en 2008, Le Spectre Noir, avec l'accord de Marc Labrèche qui a accepté de se laisser caricaturer pour incarner un des personnages de mon histoire. Je cherchais à trouver des noms de personnages qui resteraient quand même gravés dans la tête, donc je me suis tourné vers Funky Punk, donc comme la musique des années 70-80. Ce sont deux frères inspecteurs québécois qui travaillent à Québec dans la police et vivent à Lévis, donc on reconnaît un peu des endroits à Lévis-Québec et ils vivent plusieurs aventures autour du monde. Présentement, je travaille à la production d'une cinquième bande dessinée, Les Voyageurs du Graal, toujours avec l'accord de Marc Labrèche et de Claude Meunier cette fois-ci, et devrait paraître à la fin de 2011. Évidemment, j'ai quelques cordes à mon arc et j'ai commencé à chanter. J'étais tout jeune, comme je vous le disais en début d'entrevue. Mais aussi, j'ai commencé à chanter à l'église à l'âge de 10 ans et ce jusqu'à 20 ans. Et c'est comme ça que j'ai pu financer mes projets de bande dessinée. J'ai également fait du théâtre depuis que j'étais tout jeune. J'en ai même fait l'étude au secondaire et au cégep. Et ce qui m'a permis de me rendre compte que j'aimais vraiment le jeu d'acteur. À travers tout ça, j'ai pas cessé de chanter. Là, j'interprète un peu quelques chansons populaires à ma façon et je fais des vidéoclips que je présente sur mon site web. Et ça me fait en quelque sorte des démos pour peut-être un jour faire un album. J'ai donc fait mes études au cégep à Lévis-Lauzon. J'ai fait un DEC en littérature, théâtre et technologie. Et le volet technologie, bien, c'est le montage et le cinéma, ce qui m'a fait découvrir ce côté-là. Durant mes cours, j'ai eu la chance de réaliser, scénariser et jouer des courts-métrages. J'ai également réalisé un film d'1h30 à la fin de mes études intitulé Un bel sogno, un beau rêve en italien. Évidemment, je veux ramener la grande comédie au cinéma. Je trouve que c'est de plus en plus rare de nos jours. Et c'est ce que je me souhaite réaliser, des grands films qui vont rester en mémoire.